Vincent Faré, troisième Niella. J'ai 28 ans et aujourd'hui je vais rentrer dans la tête de Morgan parce que je le connais par cœur. C'est comme un fils pour moi. Morgan Felipono, 29 ans, pilier gauche, et je vais lire dans les pensées de Vincent. Je suis pas sûr de l'orthographe, parce que c'est un mot breton. Parce que Morgan a passé deux ans à Vannes, donc trois ans à Vannes ou quatre, donc quand même c'est un peu gourmand. Du coup le kouign-amann, c'est un gâteau typique breton. Donc je pense que voilà, c'est ça mon poulet du Gers frito, ouais. Après je pense que maintenant il est plus breton que gersois, donc sa réponse m'étonne un peu. Mais, C'est le mec, il y est allé, il a goûté, il est allé à Albi après, c'est un mercenaire, il va me parler que je suis un breton. Ah, d'accord. Mais j'adore les bretons. Ah. Qu'est-ce qu'il dit quoi. C'est mon voisin. Et tous les jours j'entends Carlos, Big Bisou, tous les jours. Qu'est-ce que tu dis que me connais. Non, faut surtout pas l'écouter. Il a mis quoi? Georges Brassens. Mais ouais, mais ça tu l'assumes ça. Non, pas trop, pas trop. Mais ça, Big Bisou ou Patrick Sébastien. Faut l'écouter, c'est pas vrai. Le c'est petit pas vrai. Bonhomme en mousse. Qu'est-ce que tu dis? Tous les jours j'entends ça. Non, c'est pas vrai. Faut pas l'écouter, c'est pas vrai. Ah. Parce que le tic de Vincent, tu veux pas le nier, il est tout le temps en train de se débloquer les cervicales, il n'y a qu'à voir le nombre de photos où on le voit comme ça, ou avec c'est... l'épaule à se la remettre en place. C'est vrai, voilà. c'est vrai. Souvent... Moi j'aurais dit Yohan Tanga plutôt, parce qu'il passe son temps à se regarder dans la glace, donc c'est un tic un peu gênant. Je trouve que c'est un peu gênant, voilà. Mais je pense que le champion c'est celui-là. On va être d'accord. Je pense que le numéro 1 c'est Mika. Je pense qu'il n'y a pas photo. Je pense qu'il est loin devant tout le monde, je pense quand même. En fait, il y en a derrière quand même. Ouais, mais je pense que lui il est numéro 1. Ouais. En pole position, je pense. Pas mal. Proche. C'est proche. Ouais. Parce que moi j'étais large un peu parce qu'à l'époque l'équipe de France était forte donc c'est pour ça, j'ai pris un peu large. Et c'est quoi le résultat? 0-0. Ah, on était bien, on est bien. On était pas loin. Match ça encore. Selon Vincent, voilà. C'est le club où j'étais formé, c'est mon village, c'est vrai que voilà, mais c'est un club un peu à part, on va dire. C'est là où tout a commencé, on va dire. Donc, et puis Morgan a du mal un peu à. Voilà, parce que lui il vient de Riscle et c'était un peu le derby, donc du coup il reste un peu traumatisé. J'ai pas souvenir d'avoir perdu. Il reste un peu traumatisé de, voilà, de nos joutes d'antan, donc où il prenait de sacrés branlés. Ils se sont joués il n'y a pas longtemps. Oui, premier match de championnat, risque et aller sur la Dour. Oui, mais ça compte plus. On parle de. D'accord. Nous, on parle il y a deux semaines, mais. Il y a deux semaines juste. Du coup, voilà, donc, du coup je martyrisais Morgan un peu à l'époque. Du coup, voilà. Après, on est devenu amis entre temps, mais. T'en as assez ou pas? T'en as un petit combien quoi? C'est un marocain et un breton qui discutent. Tu vois? Pardon. Le marocain demande au breton c'est quoi ton nom? Et le breton lui dit Thibaut. Et le marocain il répond merci. Thibaut ton aussi. La gueule putain. Je le mets. Yes. Ça dit quoi? Ok, t'as été pas mal. Ah putain,
take nothing less. Sean O'Neill quand même. Mais non, c'est vrai, c'est Sean O'Neill. Ok. Do not obey. You must be for safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. C'est l'histoire d'une carotte qui veut se suicider. Mais là, c'est les choux. Donc du coup, elle se dit, zut, c'est râpé. Attends, tu veux l'armer? Non, ça va, ça va, on a attends, eu. Je peux l'armer. Ah, voilà. Serre les dents, je te dis, serre les dents, ça va faire mal. Just move on up. Ah, j'en peux plus. Elle était bien, ça. Ouais, mais... Tiens, merci Morgan. Bon, j'ai gagné encore. Mais... Oh là là, putain, bravo. En tout cas, tu as mis une tarte, une nouvelle tarte, 1-0, ça fait. Chambre à une.